Bonjour tout le monde, on est ici avec Pauline Ferrand-Prévot, la championne de France. Elle va nous donner ses impressions sur ce circuit ici à la Bresse qui a beaucoup changé. Et puis on commence par nous parler du short track rapidement et puis après ce parcours de la Bresse. À toi Pauline. Le but c'était vraiment de faire dans le top 16 pour essayer d'être dans les deux premières lignes pour dimanche. Donc ouais, un circuit qui a beaucoup évolué, c'est quand je suis arrivée il faisait 30 degrés et là il en fait plus que 8 avec de la pluie, donc c'est vrai que ça a pas mal changé. Après c'est vraiment un beau circuit, assez naturel et plaisant à rouler, donc voilà, on verra demain les conditions. Voilà, des conditions donc très très changeantes, ici. Pauline elle va faire ses reconnaissances encore une fois ce matin, puis après je pense cet après-midi, c'est quoi le programme? C'est plutôt repos, massage, et puis voilà, essayer d'accumuler un maximum d'énergie pour demain. Voilà, pas prendre froid aussi. Quelques mots sur Lenzerheide 2, les championnats du monde, c'est un gros objectif, je pense que... qu'est-ce que tu as en tête là-bas? Qu'est-ce que j'ai en tête? Un podium, je pense que ça serait vraiment déjà très bien. On sait que Yolanda est vraiment au top de sa forme, elle sera chez elle, donc elle sera difficile à battre, mais rien n'est impossible. Voilà. Comment tu trouves la piste que tu connais, je pense, très bien là-bas? Ouais, c'est aussi un circuit qui me convient assez bien, où il faut de la puissance, et non, c'est un joli circuit, je pense qu'il est favorable. Ok, bon bah écoute, merci pour ce petit instant avec toi, on te souhaite le meilleur pour dimanche, et puis on va suivre ça sur vélovert.com. Merci tout le monde, ciao!